Ah, pardon, excusez-moi. Je pensais que l'appareil avait buggé. Je disais que, bon, c'est encore moi. Je suis toujours sur YouTube en ce moment même. Je regarde des films, des séries de films sur YouTube. Je vais regarder encore la télé une demi-heure. Et après, je vais essayer de dormir un peu là. Là, j'ai fermé les volets. J'ai fermé le volet du salon. J'ai fermé le volet de la cuisine et j'ai, pour pas être dérangé demain par le lever du jour, donc du coup j'ai tout fermé. Loulou, la chatte, tu sais, la noire et blanche que vous avez vue sur mes vidéos, vient de sortir, enfin elle est sortie il y a 10 minutes. Je l'ai fait sortir. Parce que pour pas qu'elle me réveille à 3 h du matin en faisant miaou, 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 parce que elle veut, en miaulant tout simplement, parce qu'elle veut sortir, aller faire ses besoins et tout ça. Je la sors toujours avant de me coucher. Avant de me coucher, je la sors toujours, comme ça je suis sûr de bien dormir et qu'elle ne me réveillera pas. Et maintenant, elle reviendra. Là, je pars toujours de la chatte, là, la noire et blanche, celle que vous avez vue sur mes vidéos YouTube. Là, elle est sortie, elle reviendra demain. Parce qu'une fois, j'ai une anecdote à vous dire. Elle avait miaulé, le volet était fermé. Alors ça, j'ai pas du tout aimé. J'ai pris le martinet et je lui ai mis un petit coup sur les fesses avec le martinet. Pas fort, hein, mais un peu quand même. Je lui ai donné un petit coup sur les fesses avec le martinet. Depuis que je lui ai mis un petit coup sur les fesses avec le martinet, elle a pu miauler derrière le volet quand il était fermé. Elle a toujours attendu que je me réveille. Parce qu'avant, à miauler, je dormais, à me réveiller en miaulant derrière le volet. Bon, donc une fois, je me suis énervé, j'ai pris le martinet, je lui ai foutu un coup derrière les fesses. Depuis que j'ai fait ça, elle n'a plus jamais miaulé derrière le volet. Plus jamais. Parce que si elle miaule, elle sait que c'est le martinet qui l'attend. Maintenant que du coup, elle n'a plus jamais miaulé. C'est arrivé une seule fois. J'ai foutu un coup de martinet sur les fesses, elle n'a plus jamais refait. Maintenant, elle attend que le volet soit fermé avant de miauler. Quand c'est miaulé, le volet est jamais fermé. Pourquoi? Grâce au martinet. J'ai foutu un coup de martinet derrière les fesses. À la chatte là que j'ai foutu un coup de martinet parce que j'étais énervé parce qu'elle avait miaulé et que j'étais en train de dormir et que moi je supporte pas qu'elle me réveille. Bon, donc du coup, depuis que j'ai fait ça, elle m'a plus jamais réveillé. S'il faut, elle attend derrière le volet, elle miaule pas, hein. Elle attend derrière le volet et elle attend que j'ouvre. Mais elle n'a plus jamais miaulé. Parce qu'elle sait si elle miaule, elle sait ce qu'elle risque. Bon, donc, c'est pour ça qu'elle ne le fait plus depuis. C'est un animal, mais un animal, ça se dresse. C'est comme un homme, ça se dresse. Moi, je suis un homme, une femme peut me dresser. Mais bon, mais pour les animaux, c'est le maître qui doit dresser l'animal. Depuis que j'ai réagi comme ça avec elle, elle n'a plus jamais miaulé derrière le volet. Plus jamais, parce que sinon c'est le martinet, et elle le sait. Hein. Voilà. Et là, je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube, 7 minutes 43, Running Red, c'est un film qui est sorti en 1999, Car Chasse 1. Bon, donc, il a été publié le 13 juillet 2017. Elle a quand même 21K en vue. Ouais, elle a quand même beaucoup de vues. Et parce que moi, je regarde des extraits de films sur YouTube que, s'ils me plaisent, je les choisis dans les vidéos que j'aime. Et en plus, je me crée une playlist. Et cette playlist, je peux mettre que les scènes ou les films que j'aime, ou les scènes de films que j'aime. C'est ce que je suis en train de me regarder en ce moment. Là, je vais regarder la télé une petite demi-heure. Et puis après, je vais essayer de me recoucher. Attends, je vais poser le portable parce que pour rouler mon CBD. Ça va pas être facile avec le portable. Bon, donc je vais poser mon portable. Où c'est que je vais pouvoir le mettre, lui? C'est rien, ça. Là,
Bon, mais ça, c'est rien, c'est le sucre, c'est le café. Vous savez, quand je me suis renversé tout à l'heure le café sur le t-shirt à cause du tuyau d'aspirateur qui traînait, que bon, de toute façon, j'ai la femme de ménage qui n'aurait pas tardé à passer, de toute façon, pour ranger un peu l'appart, là, nettoyer un peu, c'est le bordel. Bon, ben voilà, bon, je vais regarder la suite de mon film, là. Je vais poser le portable là, là. Bon, je laisse là. Bon, c'est pas en français, hein. C'est YouTube, c'est les extraits. Je vais le poser ailleurs, ça. Là, c'est très bien. Voilà. Et là, c'est mieux. Je me suis voulu avec le café tout à l'heure. C'est pas grave, c'est juste un peu de sucre. Maintenant, je vais prendre ma douche. Par contre, il n'est pas en français. Ça, c'est YouTube. Get rid of them. Oh, I get rid of them. Question's for how long? They're resilient little bastards. You know, in your lean times, a cockroach will eat one of his own limbs to survive. Now, would you do that? I don't think so. Great. Oh, for God's sake, sir, please keep your voice down. You're scaring away my customers. Now, just get rid of them. God, I love the sound of that crunch when you pulverize one of those little fuckers. Please, sir, just do it quietly. Oh, mais c'est bon, je vais pouvoir mettre sur le lit, là, pour, parce que c'est un petit claque que j'ai, là, ça fait canapé lit, voilà, je le laisse toujours en lit, parce que je suis toujours en train de dormir, donc je laisse toujours en version allongée. En plus, là, là-bas, avant, c'était ma chambre, la pièce en face, mais c'est devenu un débarras, parce que j'ai tellement de choses que je suis obligé d'avoir une pièce pour stocker. Et du coup, je dors là, devant la télé. De toute façon, dans notre pièce, je ne vais pas dormir, il n'y a pas la télé. Ils vont piquer la bagnole. I'm gonna make a fortune on this job. Bon, mais après, je vais me coucher dans une demi-heure, je vais aller au lit. Ils sont en train de piquer sa pièce. Ah ouais, je l'ai remis dans la boîte. Ouais, c'est dans la boîte. Elle est là. Et au bureau de tabac, ça, vous allez au bureau de tabac, vous allez en trouver, c'est dans vendre dans tous les bureaux de tabac, mais pas dans les petits bureaux de tabac, dans les gros bureaux de tabac. Vous allez au bureau de tabac et vous achetez ça. Voilà. Vous allez au bureau de tabac, n'importe quel bureau de tabac, ils en vendent. C'est du CBD.
step out of the car, tough guy. Sur YouTube. Voilà ce que je regarde sur YouTube. L'habitude de la tête, ça j'aime bien. YouTube, comme tu me tiennes. En plus, j'ai passé au premium, je leur fais du premium. 150 euros par an, je leur fais. C'est le prix, non, 150 euros par an. Ça fait quoi, 10 ou 12 euros par an? Par an, par an. Ouais, YouTube Premium, là, en janvier, je m'abonne. Je n'ai pas de pub, donc ça sera, il n'y aura pas d'interruption. On fera 140 euros par an, ça va se passer.
moi je suis prêt à en donner beaucoup, mais personne n'en veut et personne ne veut m'en donner. C'est vrai, hein. Ma sœur, j'ai envie qu'elle trouve sa voix, qu'elle trouve quelqu'un. Miss Lina, elle n'a jamais eu d'amoureux. Pourtant, alors, j'ai bien dévoué, ta petite sœur. Ma grande sœur. Après tout, il n'y en a pas qu'une seule qui existe. En Espagne, il y en a une. C'est comme des Martinez. Moi, je m'appelle Martinez. Des Martinez, il n'y en a pas, il y en a pas qu'un seul dans le monde. Donc, comment elle peut savoir que je parle d'elle? Parfois, ça, il ne s'agit pas forcément d'elle. Il peut s'agir forcément de quelqu'un d'autre que je connais aussi. Hein. Ça peut être n'importe qui. Parce que moi, j'en connais beaucoup de personnes qui connaissent ces noms-là.